On nous a dit que l'immigration enrichissait, que tout était une chance, que tous les voyants économiques étaient au vert, Macron est un Mozart de la finance. Et ça se passe mal. Donc on continue, moi je pense, à nier la réalité, à croire, à avoir cet espoir que non, ça va aller. On le voit, là, il se passe un truc en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine. Immédiatement, Macron a pris une popularité rarement atteinte jusqu'alors, parce qu'il y a ce réflexe de l'agneau. Il y a un loup qui se balade aux environs du pré et il va se regrouper derrière le berger. C'est un réflexe domestique très puissant. Et ce qui préoccupe cette population-là, c'est d'avoir un niveau de confort qui dure, un niveau de divertissement très important pour surtout pas penser à la situation dans laquelle on est. Et c'est ça qui donne à l'État, aux structures supranationales, des pouvoirs quasiment sans limite. Bonjour Laurent Berton. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors vous êtes essayiste et romancier. Vous avez publié une dizaine d'ouvrages environ, des essais qui traitaient de l'insécurité, des médias, de l'immigration ou de l'État, avec la France Orange Mécanique, la France Big Brother, la France Interdite ou Éloge de la Force, mais aussi des romans comme Guérilla ou des récits inspirés de faits criminels comme Utoya ou Le Diable du Ciel. Aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier livre, un essai intitulé Game Over, qui est le premier ouvrage paru aux éditions Magnus, une toute jeune maison d'édition que vous avez cofondée avec Laura Magnier. Donc dans cet essai, en fait, que vous qualifiez de testament antipolitique et de manifeste antidémocratique, qui complète les constats dressés dans vos précédents essais, vous proposez aussi des solutions concrètes et radicales pour permettre aux Français, je cite, de reprendre leur destin en main et de retrouver leur âme. Alors dans le premier chapitre de votre livre, vous revenez notamment sur l'élection présidentielle, sans complaisance, puisque vous expliquez qu'il s'agit d'un grand cirque, d'une farce malfaisante, d'un rituel primitif, à travers lequel le citoyen bétail valide sa mise sous tutelle. Vous écrivez que les élections sont un espoir différé, le mirage d'une solution facile à tout, qui revient tous les 5 ans, comme un pendule agité sous le nez des foules. Alors en quoi l'élection présidentielle est-elle un rituel dépourvu de sens, selon vous ? Ben, c'est pas dépourvu de sens du point de vue de l'État et de sa nécessité d'être reconduit, d'être légitimé en quelque sorte par le peuple théoriquement souverain. C'est même assez génial quand on y pense parce que du coup, l'État qui nous dirige depuis très longtemps, avec ce système, permet de faire croire à la population que réellement elle exerce son autorité souveraine puisqu'elle choisit ceux qui vont la diriger. Donc, si ça se passe comme ça se passe, finalement, c'est elle qui est tenante, qui est tributaire de tout ça, qui est responsable. Or, le jeu politique en lui-même est forcément biaisé par la médiatisation, par le conditionnement, par la force de l'appareil médiatique qui va présenter à la France une vision de l'actualité qui est la sienne, une vision des concurrents qui est aussi la sienne, et donc en défaisant les réputations, va se faire arbitre des élégances en quelque sorte, et donc le citoyen ne se rend quasiment pas compte, la plupart du temps, qu'il est pris dans un jeu de dupes, où finalement le pouvoir qu'il a, qu'on lui concède, est simplement un pouvoir de renouveler par sa participation son adhésion à ce système. Donc je pense que moi, même si l'élection n'est pas jouée d'avance, même si l'élection tournait mal, on va dire, pour ce système, c'est-à-dire que parvienne à la tête de l'État quelqu'un qui veut, pour une fois, le réduire plutôt que l'augmenter, eh bien, il aura affaire à une administration archi-verrouillée, il aura affaire encore à ce même système médiatique, et dans 5 ans, à mon avis, il sera remplacé par un candidat qui sera l'inverse de lui-même. On a vu ça avec Donald Trump aux États-Unis. Qui a été remplacé par un vieillard grabataire qui fait exactement le contraire de ce que lui a fait, et donc c'est encore pire finalement. Donc je crois que si on persiste à aller uniquement sur ce terrain de la politique, on va continuer à perdre, puisque eh bien, tous les 5 ans on va s'enflammer, on va crier, on va s'énerver sur les mêmes sujets. Ça va être une sorte d'hystérie politique de la société civile. Et puis, ça va se tasser et on va y repenser dans 5 ans, etc., etc. Mais pendant ce temps-là, eh bien, l'État continue à faire ce qu'il veut, à prendre de l'ampleur et à nous asservir gentiment. Donc, à mon avis, il est temps de se tourner à d'autres solutions. Est-ce que vous êtes
très critique aussi à l'égard des différents candidats, hein, finalement, qui concourent. Vous dites que les thèmes de campagne sont accessoires. L'important est la personnalité des candidats, c'est-à-dire leur faculté à séduire et manipuler. Et vous allez même jusqu'à dire qu'en fait, ceux qui se présentent sont de solides psychopathes élevés à la dépense publique, rompus à l'art de la magouille et de la trahison, capables d'incarner toutes les émotions télégéniques requises, des acteurs à plein temps, héros légitimes de nos siècles sans honneur, déloyaux par nature, irresponsables par décret, malfaisants par excellence. Alors en fait, à vous lire, on a l'impression qu'il y a une espèce d'inversion, voire même presque de perversion, qui consiste à donner le choix aux Français entre les pires candidatures possibles. Ben, ça ressemble beaucoup au concours de Miss France, si on regarde bien, sauf que les candidats ne sont pas aussi jolis, malheureusement pour nous, parce que ben, on a des personnes qui sont présentées devant nous, qui font un discours complètement lénifiant en disant « moi je veux améliorer la faim dans le monde, etc. Enfin, tout changer, ça va être mieux. Je vous aurai plus d'argent. » Là, on voit bien le festival, cette campagne de corruption hallucinante qui est en cours, où tout le monde va promettre à telle corporation, à tel groupe social, à telle communauté, va faire un clientélisme complètement délirant avec l'argent public. Et le citoyen se dit, bah, puisque lui a récupéré ça, moi j'en veux aussi, et tout le monde va se lancer là-dedans à corps perdu. Et encore une fois, la différence aussi, enfin le point commun avec le concours des Miss France, c'est que vous avez des personnalités, on ne sait pas pourquoi elles sont là, mais qui vont choisir parmi les prétendants ceux qui préfèrent eux, et donc bien le vote du public en compte finalement assez peu. Et de toute façon, l'important est que le système ait toujours à sa tête un visage pour nous gouverner. Ces candidats, par la nature même du concours, sont obligés d'être constamment dans la promesse, la surenchère, le mensonge, et évidemment un petit penchant psychopathe quand même, puisqu'il s'agit toujours d'éliminer leurs concurrents directs. Il faut déjà faire le ménage au sein des partis, entre rivaux, on sait comment ça se passe. Dès lors que vous avez quelqu'un qui peut faire de l'ombre à tel leader, eh bien, les combats de coulisses sont impitoyables. Et pour survivre de toute façon à ce monde où tout n'est qu'affaires, accusations, magouilles et malversations, il faut quand même avoir sérieusement pas peur d'endosser un costume peu reluisant, on va dire. Et c'est comme ça, ils y sont pour rien, à la limite, si on veut gagner dans ce jeu-là, il faut être comme ça. On peut pas le faire autrement, il n'y a pas un chevalier blanc qui va arriver, qui va être très honnête. L'honnêteté ne paye pas en politique. Est-ce qu'on n'a pas aussi un peu les candidats qu'on mérite ? Bah, en fait, c'est l'offre politique, c'est la même que l'offre, je sais pas, télévisée, par exemple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des clients, vous avez une clientèle, vous avez une demande, eh bien, il y a une offre qui va s'ajuster. Il y a une forte demande, par exemple, de divertissement en France, de Cyril Hanouna, de Energy 12 et compagnie. L'offre s'ajuste à la demande. C'est pas Cyril Hanouna qui va créer le téléspectateur idiot. C'est-à-dire que c'est le téléspectateur idiot qui va demander Cyril Hanouna. Et c'est sûrement pas le pire, d'ailleurs. Hein. Je cite son nom, tant pis pour lui, mais c'est vrai, il y a sûrement bien pire. Et c'est la même chose en politique, c'est-à-dire si vous avez une demande très forte de ça, de quelqu'un qui va nous réconforter, qui va nous promettre quelque chose, il y a une demande réelle de promesse. Quand on voit les foules en délire quand Macron se déplace quelque part, il y en a toujours qui sont là à lui demander qu'est-ce que vous allez faire pour, les aides ménagères ou les infirmières ou les paysans. Et évidemment, le chef de l'État va toujours dire « mais vous savez, j'ai voté ces résolutions et je veux encore en faire d'autres et tout ça ». Et le bon citoyen moyen s'en va rassurer parce que le maître lui a accordé une seconde d'attention, de crédit, et il va faire quelque chose et tout va mieux. C'est un état de domestication stupéfiant, mais qui est réel et qu'on peut pas nier. Et si il faut jamais perdre de vue ça, que Robert et Josiane, les personnages que je prends en exemple dans mon livre, sont devant leur télévision sans aucun recul sur l'écran, sur l'information, et sont dans cet état d'attente et d'espoir qui est très profond. Et il est très difficile Nous, on a un regard souvent un petit peu intellectuel, un petit peu méprisant, parce qu'on estime qu'on a compris des mécanismes comme ça de manipulation. Mais il ne faut vraiment pas perdre de vue que pour la majorité de la population, ce n'est pas le cas. Et elle est complètement bercée par ça. Elle est fascinée par ce concours et les gens comme moi qui ont un point de vue critique
sont pas audibles du tout par rapport à la puissance de feu de Big Brother, de ces bataillons de télévision, les 207 chaînes autorisées par le CSA, les radios et tout le reste. Donc on est très peu de choses et moi je pense pas qu'on puisse envisager un changement puissant des mentalités, un retournement de la situation dans les urnes, si d'abord on ne fait pas un travail très patient auprès des esprits pour leur expliquer leur état de dépendance, la dangerosité de ce phénomène, et surtout où ça va nous mener. Alors on reviendra tout à l'heure sur justement le travail personnel que vous recommandez dans votre livre. Pour rester sur les élections, en fait, on entend régulièrement que le fait d'aller voter est un devoir civique, que ceux qui ne le font pas, d'ailleurs, seraient assez malvenus de critiquer les politiques qui sont mises en place par la suite. Vous prenez le contre-pied de cette affirmation dans votre livre. Vous écrivez qu'au contraire, s'il en est un qui n'a pas le droit de se plaindre, c'est bien celui qui vote. L'élection est une invention de l'oligarchie républicaine pour défendre ses privilèges et tenir aussi loin que possible le peuple du pouvoir. Et vous dites aussi que suspendre son destin au bon vouloir d'une foule indigente, remettre sa vie au hasard de la cécité populaire, ce n'est certainement pas signe de bonne santé mentale. Alors, nombreux sont ceux qui déplorent régulièrement l'abstention, la montée de l'abstention. Est-ce qu'il faudrait du coup au contraire s'en réjouir selon vous? Est-ce que le fait de ne pas voter est en fait un signe de lucidité? Il y a un peu des deux, parce qu'on va me dire, bah oui, mais si on ne vote pas, comment est-ce qu'on fait pour que Zemmour il arrive au second tour? Eh bien, oui, très bonne question. Peut-être que si vous votez, ça ne marchera pas non plus. D'ailleurs, c'est très probable que ça arrive. Hein. Je vais vous refroidir vos espoirs un peu fous. Parce que la peur des mécanismes puissants, comme je l'ai dit, le conservatisme de l'animal domestique, voteront pour le candidat qui est présenté par les grands médias comme étant le plus à même de prolonger en fait notre agonie, en quelque sorte, de maintenir une forme de continuité, continuité déprimante, mais continuité quand même. Alors qu'en réalité, pas du tout. Hein. Si on parlait du fond, Macron a le pire bilan de l'histoire de la Ve République. C'est vraiment un bilan épouvantable, mais même devant des données factuelles comme ça, tout le monde s'en fout. Parce que son image a été modelée pour survivre aux faits, aux chiffres, à toutes les affaires qu'on peut essayer de lui coller sur le dos. De toute façon, il incarne cette continuité dans les esprits domestiques, dans les esprits des boomers qui ont envie que leur retraite continue à être payée, etc., etc. Et donc ces gens vont voter. Et qu'on s'abstienne ou non, je ne pense pas que ça changera grand-chose. Si l'abstention était vraiment très forte, ça remettrait en cause la légitimité de l'élection, évidemment. Mais même ça, il faudrait déjà qu'elle atteigne des sommets. Et plus l'abstention est importante, à la limite, plus le protestataire va avoir tendance, au contraire, à voter, en se disant, il y a une fenêtre de tir. Si les gens votent peu et que nous on y va, eh bien, on va y arriver. Et en fait, finalement, on a ce débat depuis toujours et ça suffit jamais. Et on va vous dire, encore une fois, il y a des gens qui sont morts pour voter, machin, et que, hein, des arguments complètement ridicules. Mais le problème, en fait, de ce vote, c'est que vraiment, on croit que ce bulletin correspond à un pouvoir réel. Mais comme je le dis dans le livre, c'est un bulletin sur 48 millions. Et au contraire, c'est exactement le pouvoir qu'on nous concède, hein, c'est-à-dire rien, 0,00000, je ne sais pas combien de 0, 1, et voilà ce que vous êtes. Or, l'individu, justement, s'est fait complètement déposséder de son droit de regard sur la situation. Il a complètement abandonné à cet état qui est son cerveau, qui est sa responsabilité, qui est à peu près tout. Il a abandonné son destin, son pays, il lui a laissé les clés en quelque sorte, en disant « ça ne me concerne plus ». Démerdez-vous, faites en sorte que mon pays tienne le plus longtemps possible. Et c'est pour ça qu'il est un peu tétanisé par ce qui se passe. Il ne comprend pas que ça se passe aussi mal. Comment c'est possible? Des gens brillants qui ont fait des grandes écoles, qui s'occupent de l'administration, ça ne peut que bien se passer. On nous a dit que l'immigration enrichissait, que tout était une chance, que tous les voyants économiques étaient au vert. Macron est un Mozart de la finance. Et ça se passe mal. Donc on continue, moi je pense, à nier la réalité, à croire, à avoir cet espoir que non, ça va aller, les oiseaux de mauvais augure comme moi se trompent, etc. Et on préfère continuer, on préfère ne pas voir ce qui se passe. C'est pour ça que je pense que Zemmour a du mal aussi à décoller, parce que oui, il dit le grand remplacement, et oui, beaucoup de Français sont très inquiets par ça,
mais ils sont tellement inquiets qu'ils préfèrent se dire que non, il doit se tromper, les médias doivent avoir raison, il n'y a pas de phénomène aussi important et on continue et ça va rentrer dans l'ordre. Donc c'est une sorte d'aveuglement collectif. Alors justement pour parler de l'immigration, donc là aussi vous y consacrez plusieurs pages dans votre livre, c'est un sujet que vous aviez déjà traité notamment dans la France Orange Mécanique. Alors vous évoquez en fait une logique sacrificielle qui consiste à immoler peuple et héritage sur l'autel du vivre ensemble. Vous parlez d'un véritable génocide froid, aussi fulgurant qu'inédit, dont l'ampleur n'a absolument rien à voir avec nos échanges millénaires entre occidentaux, ni même avec les colonisations passées. Alors en quoi finalement, l'immigration répond-elle à une logique sacrificielle pour vous? Et en quoi s'agit-il d'un génocide froid? Eh bien, en quelques décennies, la population de ce pays qui a été pendant des siècles, des millénaires extrêmement stable génétiquement, biologiquement, culturellement, enfin tous les ans possibles, a été sensiblement modifiée par une immigration extra-européenne massive, récente. Aujourd'hui, on est à plus de 10% d'immigrés dans ce pays, c'est un record absolu, sans précédent historique. On est à plus de 12% de descendants directs d'immigrés, c'est aussi un record absolu. Et l'INSEE ne parle pas maintenant des arrière-petits-enfants et petits-enfants d'immigrés, parce que ça en rajouterait encore beaucoup. Donc il y a vraiment une évolution subite de la population, très importante. Et évidemment, on peut parler d'immigration de remplacement. Elle est organisée, on est obligé de le constater, par l'État français, puisque c'est l'État français qui délivre les titres de séjour, qui délivre les visas, qui procède à des naturalisations. Donc c'est pas du tout. L'État ne fait pas rien, c'est lui qui décide de tout ça en fait. C'est lui qui décide de ne pas expulser les clandestins par exemple, ou d'en expulser 0,2% je crois pour les Algériens par exemple l'an passé. Macron avait promis 100%, petite parenthèse. Donc en fait, l'État fait ça. Il est théoriquement le souverain. Enfin voilà, il est censé garder les frontières. Le peuple s'est toujours très majoritairement prononcé contre cette immigration. Il l'a. Bon, très bien. Donc on est dépossédé de notre souveraineté par l'État. Ça, c'est un fait massif, indubitable. Et eh bien le citoyen français est un petit peu condamné à subir cet état de fait. Et je pense que c'est un des phénomènes les plus graves, les plus importants de ces derniers siècles, puisque l'immigration induit par son changement de population un changement de culture et de civilisation, parce que nous sommes voilà, les peuples font leur culture, ils font leur civilisation, et donc si on change le peuple, eh bien on change tout ça. Donc, il y a, au-delà de l'État, il y a un militantisme très fort, c'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale et après les colonies, il y a eu une crise, je pense, morale des pays européens au sens large, c'est-à-dire vous incluez tous les Australiens, les Américains, etc. En gros, tous les Blancs se sont dit, comment peut-on encore dominer le monde? Après ce qui s'est passé, moralement, ça pose un problème. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'adopter une morale en quelque sorte suicidaire. C'est-à-dire là, on a le droit. Si on est le seul peuple, comment dire, la seule ethnie à revendiquer notre autodestruction, à dire que c'est bien que les Blancs soient remplacés, soient en minorité, que la diversité augmente, c'est-à-dire que concrètement, qu'il y ait moins de Blancs, parce que c'est ça l'augmentation de la diversité, c'est moins de Blancs toujours. Eh bien, là, on accède à un tel degré de morale supérieure, contre nous-mêmes, de flagellation, eh bien, ça nous protège finalement, on continue à dominer moralement parce que personne d'autre dans le monde ne va faire une chose pareille, et nous, eh bien, on a cette immunité de se dire, attendez, oui, je suis, voilà, je prône ma destruction, donc je suis pas suspect, de suprématie, mais en vrai, c'est quand même une forme de suprématie morale, c'est une manière de dominer. C'est un pouvoir qui est offert à n'importe qui, hein, n'importe quel progressiste qui va tenir un discours comme ça, se sentira supérieur à la masse qui n'a pas compris ça, qui pense que bah non, moi mon peuple, je veux le garder, mon pays, je l'aime bien, j'ai pas envie que ça change, parce qu'on n'a pas la foule n'a pas encore complètement intégré cet état de fait.
et par-dessus le marché. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une forme de sacrifice, parce que c'est au nom de la morale, on détruit finalement eh bien son héritage, son peuple, ses racines biologiques. On ne peut pas faire mieux hein, dans le sacrifice, je pense. Et eh bien finalement, c'est devenu même dangereux de s'opposer à ça, d'avoir des doutes, de dire oui, la diversité, c'est une chance, oui peut-être, je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte, de remettre en cause ce dogme du vivre ensemble à marche forcée est devenu socialement dangereux. On parle beaucoup de crédit social ces temps-ci. Et là, clairement, on a tous un crédit social et un risque social quand on aborde de tels sujets. Moi, je le sais très bien, hein, je l'ai fait avec mes livres. Hein, le seul lien immigration-insécurité est déjà socialement dangereux. Donc, quand on a induit ça dans l'idée de tous les consommateurs de la télévision, de la radio, eh bien, le message est passé. On a bloqué la population. Par ce chantage permanent à l'extrême droite et aux heures sombres, etc., on a en quelque sorte empêché la réflexion. Donc, la manifestation de la souveraineté intellectuelle de la population, l'exercice de la démocratie, quelque part, on tient la population comme ça. C'est assez remarquable. Alors qu'elle est très largement opposée à l'immigration, eh bien, elle a tendance à en faire une question secondaire, elle a tendance à taire son opinion eh bien, et à subir la situation telle qu'elle est. C'est un constat. A contrario, on entend souvent que l'immigration est inéluctable, que la France a besoin des immigrés, notamment pour pallier un taux de natalité relativement faible. Et on entend aussi que beaucoup d'immigrés acceptent de faire des métiers que les Français ne voudraient plus exercer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces arguments vous paraissent pertinents? Alors, ce sont de très vieux arguments parce qu'il fallait bien en trouver pour justifier justement cette immigration énorme qui a pu profiter, je pense, effectivement à certains entrepreneurs à l'époque en disant ils sont pas chers, ils se plaignent pas, bon, ils bossent beaucoup, c'est un filon. Sauf que au fil du temps, on s'aperçoit que cette immigration est davantage une immigration de peuplement, une immigration sociale, bien plus qu'une immigration de travail, puisque l'immigration de quantité, en particulier maghrébine et extra-européenne, africaine, a un taux d'activité qui est beaucoup plus faible que le taux d'activité des autochtones, évidemment, mais aussi des immigrés européens. Donc il y a un problème, parce qu'on nous explique que ces gens qui travaillent quasiment deux fois moins, je crois, d'après l'INSEE, que les autochtones, vont payer nos retraites et sauver notre pays, en plus de nous faire gagner la Coupe du Monde. Moi, je veux bien entendre tous ces arguments, mais quand on les étudie de près, on se rend compte que ce n'est pas le cas, que la réalité est bien plus complexe, et qu'en plus, ça pose des problèmes de cohésion sociale assez faramineux, en plus des problèmes d'insécurité en tant que tel. Mais un pays rendu, en plus par la force, hétérogène, eh bien, on assiste à un effondrement de son capital social, c'est-à-dire le lien de confiance qui unisse les citoyens les uns aux autres. Chacun se méfie de tout le monde. On a une logique communautaire, du coup, qui vient accroître le clientélisme. On a des petits barons, des petites mairies, des collectivités qui vont acheter la paix sociale en se faisant bien voir de certaines communautés. Et à partir de là, on arrive dans une société, léopardisée, atomique, atomisée. Pas atomique, pas encore, mais atomisée avec, eh bien voilà, c'est plus du tout une société, c'est chacun défend ses intérêts, chacun essaie de tirer la couverture à lui, avec, encore une fois, la complicité de beaucoup de pouvoirs publics qui, eux, veulent s'acheter des mandats, veulent s'acheter du pouvoir, veulent s'offrir la paix sociale avec l'argent des contribuables, tant qu'il y en a encore. Il y en a de moins en moins et la dette est de plus en plus grosse, donc ça ne va pas durer, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'ils ont fait, et pour eux, ça fonctionne, à court terme, ça fonctionne. Alors, quelles sont justement les principales mesures que vous préconisez par rapport à l'immigration? Alors, ben, je les liste dans Game Over. Il y a vraiment des moyens simples, à mon avis, d'inverser, parce qu'il ne suffit pas d'arrêter, il faut inverser cette immigration qui n'a pas été souhaitée, qui a été subie par le peuple français. Et donc, des manières très simples de le faire consisteraient à couper les aides sociales complètement. À partir de là, vous n'attirerez déjà plus que les individus réellement désireux de travailler, puisqu'ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de travailler pour vivre. Donc, ça fera un tri sérieux.
Il ne serait pas non plus idiot de frapper d'une caution assez lourde les immigrants, puisque c'est pareil, le français qui cotise toute sa vie, et pas qu'un peu, à qui on lui prend 1 € sur 2 du fruit de ses efforts, lui, ses ancêtres payent depuis très longtemps, contribuent à ce pays, donc à ses services, à son architecture, à ses routes, à tout ce qu'on peut imaginer, à son niveau de vie. Et tout d'un coup, quelqu'un qui va arriver, lui, eh bien, bénéficie de tout. Et en plus de ça, on lui offrerait des aides, etc. Donc, ça me semble, de manière équitable, mériterait de payer une très forte caution pour pouvoir s'installer, venir ici en France. Ce sont des exemples de mesures. Bon, il peut y en avoir beaucoup d'autres, mais en tout cas, sans contraindre qui que ce soit, sauf évidemment les hors-la-loi ou les repris de justice, etc. Mais sans contraindre qui que ce soit à partir, je pense qu'on pourrait inverser complètement le flux et éloigner les personnes qui sont là par volonté d'assistanat et toutes ces choses-là, criminelles et j'en passe. Alors, vous revenez aussi sur l'insécurité. Donc là aussi, c'était un sujet que vous aviez déjà évoqué dans vos précédents ouvrages. Vous expliquez que finalement, quantité de crimes et délits restent impunis et que le code pénal n'est jamais suivi, que lorsque des peines sont prononcées, elles ne sont presque jamais exécutées, que la surpopulation carcérale est un prétexte à sous-appliquer la loi. Vous parlez de véritables primes au crime et vous soulignez que en fait, les récidivistes se voient offrir régulièrement des dizaines de secondes chances. Comment est-ce que vous expliquez le décalage entre les discours de fermeté prononcés par nos dirigeants, de quels qu'ils soient depuis de nombreuses années, et puis la réalité? Bah, c'est assez typique, encore une fois, du décalage entre la politique et l'administration réelle. C'est-à-dire que ça coûte pas cher d'avoir Darmanin qui va faire des déclarations sur les plateaux, qui va se rendre sur place, qui va condamner avec fermeté. Les Français adorent ça, ils sont demandeurs de ce discours un petit peu d'autorité. Il y a eu Sarkozy, il y a eu Pasqua, il y en a eu beaucoup d'autres avant lui. Et ça suffit souvent parce qu'on a le fait, on a la déclaration, on se dit les choses sont prises en main, ça va bien se passer. De dire que les auteurs seront condamnés avec la plus grande sévérité, très bien, de toute façon, quand viendra le temps de la condamnation, dans 2 ans, la mémoire de poisson rouge du vertébré citoyen devant sa télévision aura déjà complètement oublié de quoi il était question et ne suivra même pas l'issue des verdicts prononcés. Donc ça coûte pas cher, c'est très efficace, mais le problème c'est que déjà Darmanin n'a aucun pouvoir sur la justice, sur l'application de la loi concrètement, donc il peut toujours dire ce qu'il veut, ça ne sert à rien. Celui qui pourrait avoir une influence sur la justice s'appelle Dupond-Moretti. Et lui, on sait bien qu'il n'a pas exactement la même feuille de route que son collègue. Il a envoyé en fin d'année là, une circulaire à tous les magistrats qui demandait de recourir partout, tant que c'était possible, aux peines alternatives à la prison. Donc c'est un garde des Sceaux, ministre de la Justice, demande à ses magistrats clairement de trouver une alternative à l'application de la loi, puisque c'est comme ça, la loi elle dit la prison. C'est peut-être pas le. Je sais pas si on n'a jamais trouvé mieux pour l'instant. Le problème c'est que la justice, alors ça n'a pas de rapport, peut-être pas de rapport avec l'abolition de la peine de mort, mais peut-être quand même un petit peu, ne matérialise plus la gravité en fait de l'acte commis. Et on dit souvent, par exemple, j'avais un petit peu échangé avec le neveu d'Ali, vous savez, ce retraité qui avait été attrapé par la fenêtre de la voiture de 3 jeunes qui se sont beaucoup amusés, qui l'ont traîné, et qui est le pauvre retraité s'est fait extrêmement mal et décédé quelques semaines après ça. Eh bien, son neveu expliquait que réellement, ceux qui avaient fait ça, à aucun moment n'avaient eu conscience de faire quelque chose de mal. Ça les a beaucoup amusés. Et même quand on leur a expliqué après coup, ah bon, oui, ben, on est désolé, hein, on ne voulait pas que. Voilà, toutes nos excuses. Et il y a du vrai là-dedans. C'est-à-dire qu'on a dans ce pays, quand on parle de barbares, d'ensauvagement, c'est une manière de dire qu'on a des individus qui sont tellement sous-socialisés qu'ils considèrent qu'en fait, le type moyen dans la rue autour d'eux, qui n'est pas de leur groupe, eh bien, ne fait pas partie de leur humanité, en quelque sorte. Donc à partir de là, comme, je ne parle même pas des parents, mais l'éducation, enfin tout ce qu'on peut imaginer
de représentation de l'État a échoué à faire intégrer à ces individus qui, dans une société normale, on devait se comporter normalement, eh bien, si la justice n'est pas là pour matérialiser la gravité de leurs actes, eh bien, on n'a aucune chance que ces gens changent de façon de se comporter. Ça va même être bien pire, parce qu'aujourd'hui, vous avez un sentiment d'impunité qui est complètement hallucinant. Là, on parle d'un acte grave qui a été médiatisé, donc peut-être qu'il y aura une sanction qui ressemblera à quelque chose, mais ce n'est pas sûr du tout. Mais vous avez tous les jours en France, en 2018, on en était à 2400 violences physiques par jour déclarées dans ce pays, qui sont suivies de sanctions ridicules, du sursis, des peines alternatives, des machins, des rappels à la loi, enfin, j'en passe. Et donc, à aucun moment, en fait, on va arrêter l'engrenage. On parle souvent de récidivistes qui ont 70, 80 mentions à leur casier. Ils sont assez peu nombreux, en réalité, dans la population. Ils sont, même par rapport à, évidemment, par rapport à l'immigration, ils sont... comment dire, il y a une surreprésentation des individus issus de l'immigration, mais c'est une minorité d'individus par rapport à l'immigration, soyons très clairs, qui sont des criminels très endurcis, et si cela était retranché du paysage, ils ne sont pas si nombreux, on vivrait beaucoup mieux, évidemment, mais il n'y a pas de volonté de le faire. Et ça, c'est une voilà, même pour des faits très graves, vous avez eu un ancien juge aux enfants qui proposait à des inconnus de violer sa fille, par exemple, de 12 ans, eh bien, réquisition, 1 an. Peine prononcée, 1 an, exécutable à domicile avec un bracelet électronique au pied. Et ça, on appelle ça de la prison ferme. Donc, voilà, on imagine le message que ça envoie. Sachant qu'en plus, par exemple, pour les viols et tentatives, sur 265 viols tentatives déclarés chaque jour en France, on a 3 procès. Donc, ça fait 1%. 1% des violeurs étant pour les tentatives de viol qui se retrouvent confronté à la justice. Donc évidemment, on va nous dire « Oh, le taux de récidive, il n'est pas si alarmant que ça », mais si on prend un type sur 100, comment peut-on imaginer calculer un taux de récidive crédible ? Enfin, on est très 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 loin du compte, très loin d'avoir saisi la mesure de l'évolution de la criminalité violente, c'est-à-dire qu'on a encore la justice à papa et tout ça, on pense que des explications, ça va résoudre le problème, mais on ne s'est pas du tout adapté à ce qui se passait. Les États-Unis, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais quand ils ont eu une explosion de la criminalité dans les années 90, ils ont eu derrière une application de la loi extrêmement sévère qui a divisé par 2 ou même 3 la criminalité. Évidemment, ce n'est pas une solution, c'est une solution de raccroc, parce qu'on se retrouve dans une situation, une société qui est à moitié foutue, en fait. C'est un signe majeur que quelque chose ne va pas. Et on peut mettre toutes les caméras qu'on veut, tous les flics qu'on veut, ça fera pas de l'enfer un paradis, c'est ça aussi. Donc l'insécurité, enfin la gestion de l'insécurité, les prisons, les mesures d'expulsion des délinquants étrangers, évidemment, ne font que arriver sur. On arrive après la bagarre, quoi, après l'ambulance. Et je pense que le meilleur moyen d'atténuer ça, c'est d'en finir avec cette immigration pour commencer. Et ensuite, évidemment, avec l'assistanat, le socialisme et toutes ces choses-là qui aggravent les phénomènes. Vous pointez aussi une forme de deux poids, deux mesures. Vous écrivez que l'État est faible avec les barbares, fort avec les contribuables. La loi n'est dure qu'avec ceux qui la respectent. Et vous expliquez d'ailleurs que l'État utilise désormais la police comme une garde prétorienne du régime. Vous écrivez « La police d'État sans justice rendue protège avant tout l'État de son peuple. L'ordre public n'est que celui des politiciens en place et du recouvrement d'impôts. » Alors, en quoi la police est-elle devenue une garde prétorienne du régime, selon vous ? Comme sa fonction par rapport à la délinquance, c'est de faire de la figuration, en quelque sorte, c'est-à-dire les pauvres policiers, qui sont souvent des agents très talentueux et valeureux, et sont face à la sauvagerie ordinaire quotidienne, sont face à ce sentiment d'impunité qui fait qu'avant, ils étaient au moins respectés quand ils jouaient un petit peu plus facilement de la matraque et du rapport de force. Maintenant, ils se font cracher dessus, ils sont insultés tous les jours par la France du vivre ensemble, on va dire. Et quand ils sont en revanche confrontés aux citoyens qui, lui, monsieur moyen, il paye ses impôts le jour où il faut les payer, il met son l'argent quand il s'arrête, quand il gare sa voiture, donne à manger au parc-maître, enfin, il fait vraiment ce qu'il faut faire. Et si jamais il va mettre une roue sur la ligne blanche et que le flic l'arrête, il va être à 2 doigts de l'infarctus parce qu'il a fait une faute, c'est grave, il va payer.
Et là, c'est même pas la police qui est spécifiquement impitoyable, elle fait ce qu'elle a à faire, c'est leur boulot, les flics, ils mettent leurs amendes. Mais le citoyen domestique, lui, on ne le rate pas, c'est ça que je veux dire, et que donc lui, bah, il est obligé, enfin, en tout cas, il se conforme avec beaucoup d'applications aux règles édictées. Et il voit bien qu'à côté de ça, ben, c'est le bordel, les autres font ce qu'ils veulent, et pour eux, on est beaucoup plus calme. Quand il y a des émeutes dans les quartiers, quand il y a des émeutes en Corse, en fait, on sait qu'avec certains publics, il ne faut pas jouer, il ne faut pas éborgner, il ne faut pas se sentir tout puissant avec sa matraque. Donc, la police s'adapte, en fait. Et à des consignes pour le faire, c'est important aussi. Hein. C'est-à-dire que je pense que dans certains quartiers, les flics seraient ravis de se lâcher, mais on leur explique bien, surtout, votre boulot, c'est de ne pas causer de troubles supérieurs à ceux qui sont déjà en place. Donc en gros, faites profil bas, les gars, et continuez comme ça. Eh bien, donc c'est aussi, malheureusement, les policiers sont utilisés de plus en plus souvent, et le seront sans doute à l'avenir, pour réprimer toutes les contestations sociales qu'on peut imaginer. Encore une fois, il y a les bonnes contestations sociales et les mauvaises. Celles qui demandent plus d'État, ça va. Plus d'État, plus d'investissement, plus de dépenses. Par contre, celles qui, comme les Gilets jaunes à leur grand début, demandaient moins de taxes, moins d'État, foutez-nous la paix, arrêtez de nous taxer à tout va, notamment l'essence, l'énergie, eh bien là, la répression, on l'a vu, était beaucoup plus féroce, beaucoup plus vigoureuse, parce qu'on touchait à quelque chose de bien plus important, de bien plus dangereux. Alors justement, pour rester sur l'État, vous en parlez beaucoup dans votre livre et vous parlez aussi du socialisme et du rôle entre l'État et le socialisme qui imprègne en fait pour vous quasiment toutes les structures de l'État. Vous expliquez que le socialisme s'apparente à une forme de vol en bande organisée et que le principe sur lequel il repose consiste à s'emparer des richesses des uns pour subventionner la pauvreté des autres. Vous comparez en fait le socialisme à une sorte de nouvelle religion qui permet d'asservir les Français. Vous pourfendez au passage le concept de justice sociale qui vise à réduire notamment les inégalités par la redistribution. Alors, en quoi en fait pour vous le socialisme est-il un leurre qui asservit les hommes qu'il prétend libérer? Et comment l'État et les hommes politiques s'appuient-ils sur le socialisme pour renforcer leur pouvoir et leur emprise sur la société? C'est vraiment je pense, la voie la plus efficace pour un État pour augmenter son importance et son influence directe sur la société, dans les couches les plus profondes, dans la vie privée même, puisque, eh bien, c'est très simple. Il va dire aux Français, alors il y a des inégalités, hein, c'est-à-dire il y en a qui gagnent pas beaucoup, voire pas du tout, il y en a qui gagnent énormément. Il y a tous ceux qui sont au milieu, et on a toujours l'impression d'ailleurs c'est toujours vrai, sauf peut-être pour une personne, c'est toujours vrai qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Et donc l'État dit, on va rééquilibrer tout ça. Ça veut dire que ceux qui sont en haut vont donner de leur argent de plus en plus, à mesure que leur richesse augmente, à ceux d'en bas, et ceux d'en bas vont le recevoir. Et alors que dans certains pays, il y a ce qu'on appelle les impôts fixes pour tout le monde, je sais pas, 12% pour tout le monde sur ses revenus. Et là, on se dirait, bah oui, c'est à peu près équitable, on gagne beaucoup d'argent, on paye 12% de ce qu'on gagne. Mais même celui qui est tout en bas se dit, je suis contributeur aussi, à la mesure de mes moyens, mais je contribue quand même. Donc, tout le monde est un petit peu responsable. Là, le problème, c'est que en faisant un tel transfert d'argent massif, eh bien, celui qui est tout en bas se dit, ma situation est quand même très payante par rapport aux efforts que je fournis et ma productivité réelle, qui est inexistante, je reçois de l'argent. Donc j'ai tout intérêt à rester dans cette situation. Surtout, je perds plusieurs valeurs clés à la fois, je pense, c'est-à-dire la fierté, déjà, ça fait très mal, et le sens des responsabilités, de se dire, puisque l'État fait à ma place, me donne l'argent des autres et m'explique que j'y ai droit, que c'est normal, que c'est de la justice. Ça veut dire que, quelque part, l'inégalité, la situation initiale était très injuste. Ceux qui travaillaient sont donc, comme le dit Poutou et autres, des voleurs. Et donc, il est légitime de redistribuer le fruit de leurs efforts, soi-disant, puisque ce sont des voleurs, en vrai. Il est légitime de reprendre l'argent et de le redistribuer. Voilà, c'est une injustice qui est réparée. Donc une fois que vous mettez le doigt, le portefeuille dans un engrenage comme celui-là, c'est quasiment impossible d'en sortir, puisque vous avez toujours plus de communautés, d'individus, de groupes d'intérêts qui vont se dire,
Finalement, nous, on mériterait que l'État nous aide aussi, parce que, je ne sais pas, on défend une double cause, on a des valeurs morales, l'éducation, c'est central, donc il nous faut plus d'argent, la santé aussi, enfin, et tout le pays, en fait, se bat pour récupérer un peu plus de ce trésor public énorme que l'État extorque chaque année aux travailleurs. Et finalement, on finit par ne plus voir même d'où vient cet argent, hein. Josiane et Robert, quand on leur dit l'État va débloquer, je ne sais pas, tant de milliards pour la politique de la ville ou je ne sais pas quoi, ils trouvent ça bien. Ils se disent l'État a cédé, c'est bien, l'État paye, il y a un chèque qui est fait, donc ça va se traduire, ça va améliorer la situation. Et c'est une manière de gouverner. Plutôt que de communiquer, vous dites on va débloquer tant d'argent, génial, voilà, et tout le monde se tait, et jusqu'à la prochaine demande. Sauf que. Mathématiquement, évidemment, ça finira très mal. Parce que, on le voit, l'État, en plus, comme intermédiaire, est désastreux. Il s'accapare une énorme partie de l'argent qu'il confisque aux citoyens productifs, pour lui, pour son administration. Et chaque pan de l'administration, de son côté, va se dire, mon but, c'est pas d'améliorer le monde, soyons honnêtes. Mon but, c'est de grossir, d'avoir plus de crédit, d'avoir plus d'influence, d'avoir plus d'importance dans la société. Donc évidemment ça tourne mal puisque toutes ces administrations eh bien, sont un gouffre à argent public. On me dit Macron a brisé tous les budgets, Macron est un président ultralibéral. Il a non, regardez les budgets concrets de la santé, de l'éducation, d'à peu près tout ce que vous voulez, et vous verrez que tous ces budgets sont en hausse constante depuis très longtemps. Tout coûte toujours plus cher, tout est de moins en moins efficace d'ailleurs. Donc, à un moment, eh bien, ça tiendra plus. Il y a déjà une dette qui est faramineuse et qui ne peut que s'accroître, puisque la masse de citoyens productifs archi-taxés l'est de moins en moins, puisque moi, c'est toujours pareil, la redistribution, géniale. Sauf que, à mon avis, quelqu'un comme, je ne sais pas, Jeff Bezos, son argent sera toujours mieux utilisé que si c'était Emmanuel Macron qui le gérait. Parce que quand c'est pas notre argent, quand on ne l'a pas gagné, quand on n'a pas fait ce qu'il faut pour le gagner, on a tendance à l'utiliser n'importe comment. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, qu'on réfléchisse quand on entend ce genre de discours, il faut prendre de l'argent à lui. Ah oui, mais n'oublie pas que c'est Macron derrière qui va faire des chèques avec. Et il va en envoyer en Afrique, il va faire n'importe quoi avec. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais malheureusement, le message audiovisuel étant ce qu'il est, beaucoup de citoyens se sont complètement dit que cette situation était normale et n'y voient pas d'inconvénient et n'envisagent même pas de s'y opposer. Et il est impossible d'être candidat si on n'a pas, si on n'adopte pas cette vision démagogique des choses. De dire, je ne sais pas, même par exemple les candidats nationalistes, en gros, pour faire simple, vous diront. Moi, je veux réserver les aides aux Français, c'est-à-dire on va avoir des assistés, mais vraiment bien de chez nous, made in France. Et on n'ose pas s'attaquer à ce système de redistribution délirant. Et malheureusement, les Français, en colère, à 95%, attendent plus d'État pour eux, en fait. Donc ce n'est pas vraiment une révolte contre le système, au contraire. Oui, c'est ce que vous dites, vous expliquez que le socialisme, en fait, concerne tout le spectre politique, qui n'est pas Ah oui. uniquement la propriété du Parti socialiste ou de la France insoumise, finalement. Ah bien sûr. En fait, c'est vraiment toutes les mentalités, ils sont complètement formatés. Et c'est important de parler de cette notion de responsabilité individuelle, parce que moi, c'est un petit peu mon obsession. Mais l'impact que ça a, si on vous dit, l'État va prendre en charge, eh bien, vos revenus, déjà une partie de vos revenus, l'État va s'en occuper. Il va s'occuper de vos enfants. Il va leur payer l'école. Il va s'occuper de votre santé. Il va s'occuper de vos retraités, de la manière dont vous devez manger, la manière de ce que vos enfants doivent apprendre à penser à l'école, par exemple. Et petit à petit, il n'y a plus vraiment de limite. Un beau jour, il vous dit, il faut vous laver les mains, sinon vous allez être malade. Et c'est tragique, mais les Français n'étaient pas si étonnés que ça. Oui, bon, allez, on va se laver les mains avec des petites icônes explicatives, c'est toujours bien. Et manger 5 fruits et légumes, machin, vous avez vu les Nutri-Score, etc. Et petit à petit, évidemment, il est obligé de tout contrôler parce que s'il paye la santé, il est obligé que voilà, vous pouvez du coup fumer moins, bouger plus, parce que sinon ça commence à coûter très cher. Et finalement, ben vous n'avez plus de cerveau. Le citoyen moyen qui est dans cette situation,
qui attend que l'État lui ait un auxiliaire de vie à côté de lui pour lui expliquer qu'il faut mettre le pied droit devant le pied gauche et inverser ainsi de suite pour marcher, eh bien, il attendra pour tout ce qui peut se passer dans sa vie, pour le moindre événement non prévu, pour son entreprise ne marche pas, il faut que l'État m'aide, etc. Et donc, n'a plus du tout de capacité d'adaptation. En fait, il s'en remet complètement à son maître. Et c'est un vecteur très puissant de la domestication des foules. Donc là, pour le coup, on est très loin là, de la prise de conscience, sur ce point-là en particulier. Alors, vous dites qu'il faut, je cite, tuer l'âme noire du socialisme et l'extirper à jamais de ce pays pour des raisons humanistes. Mais en fait, vous soulignez aussi que le socialiste ne mourra jamais puisqu'il réserve aux irresponsables le seul discours qu'ils peuvent entendre. Alors, comment résoudre cette contradiction? Finalement, comment mettre un terme au mirage du socialisme que vous évoquez malgré sa capacité de séduction? C'est ça qui est très difficile, c'est que malheureusement, on aura toujours beaucoup d'individus qui seront séduits. Tous ceux qui estiment que leur place dans la société, tous ceux qui sont un peu frustrés par leur existence, se diront, eh bien, c'est parce que, voilà, c'est le discours de quasiment tous ceux qui échouent dans la vie, c'est jamais leur faute à eux. Normalement, on va toujours trouver quelqu'un pour dire, je sais pas, j'ai un patron qui est un salaud, je sais pas, ceux qui gouvernent le monde, qui ne laissent pas ma place, et on va toujours trouver ce discours, en fait, de refus de la responsabilité, de délégation, et, eh bien, c'est très difficile d'aller chercher chez ces gens qui sont si habitués comme ça à exister comme ça, d'aller chercher peut-être l'étincelle de fierté qui pourrait rester là au fond, en leur disant on se sentira beaucoup mieux si on assume en fait, si on se dit oui d'accord, je prends les risques avec mon entreprise, j'y arrive pas, c'est ma faute, je ferai mieux la prochaine fois, je m'adapte, mais au moins j'ai la fierté de dire je me suis fait tout seul, j'ai pas bénéficié des aides machin, ou du concours de trucs, ou des pots de vin, ou je sais pas quoi. Et c'est, à mon sens, comment dire, réussir de façon autonome est un des principaux vecteurs de fierté. Ça a toujours été comme ça, je pense. Et si on réussit à réhabiliter comme ça la valeur de l'autonomie, de l'indépendance, de la liberté, eh bien on peut restaurer, je pense, une forme de fierté chez beaucoup d'individus, mais malheureusement pas chez tout le monde. Après, si les aides, etc., venaient à être supprimées, beaucoup d'individus seraient forcés de s'y mettre et verraient qu'ils ne s'en porteraient sûrement pas plus mal. Après, évidemment, il y aura toujours, ça ne résoudra pas tous les problèmes, il n'y a pas de système parfait, il y aura toujours des malheureux, des gens qui n'y arrivent pas, qui subissent des coups du sort, ça arrive aussi, et il faudra probablement aider, et il y aura pour ça, je pense, la solidarité a toujours existé, il y aura, même avant l'État, hein, aussi surprenant que ça puisse paraître, mais il y aura toujours des structures, des organismes, d'individus qui vont s'associer pour soutenir les gens en cas de coup dur. Et à mon avis, ce sera beaucoup mieux fait que maintenant, parce que cette distribution automatique et impersonnelle, en disant « vous y avez droit », est calamiteuse, vraiment, je pense, d'un point de vue, encore une fois, du capital social. Parce que quand on fait ça, on met des individus en position de voilà, en gros, les travailleurs productifs sont mes esclaves, ils travaillent pour moi, c'est normal, on me le doit. Et c'est pas du tout ça qui va faire une société saine, parce que ceux qui ont l'impression de perdre sur leur feuille d'impôt, on se dit mais c'est hallucinant tout ce que je paye pour foutriquer son armée là du gouvernement évidemment, mais aussi pour des types que je ne connais pas et dont je ne sais pas du tout ce qu'ils font, et il paraît que c'est un droit, mais aucun compte ne m'est rendu, donc voilà, on finance, on paye par exemple pour Salah Abdeslam, on paye pour les prisonniers, on paye tout un tas de... Le type qui a tabassé Yvan Colonna en prison, nous avons payé son salaire d'auxiliaire de ménage en prison. C'est un djihadiste, sympathique, peut-être, mais quand même. On est forcé de payer le salaire de Nagui, par exemple, tout un tas de choses comme ça, de Cohn-Bendit. C'est stupéfiant quand on y pense, parce qu'on se dit, c'est... Alors Nagui, idéologiquement, je ne sais pas ce qu'il pense, mais en tout cas... On est forcé de payer, même pour l'information, les subventions de l'Humanité, de Libération, des gens qui nous veulent du mal, qui ne nous veulent pas du bien en tout cas, et on doit payer pour eux. Donc c'est parfaitement immoral, et ça ne peut pas tenir à long terme.
Alors vous parlez des médias, vous y consacrez aussi un chapitre dans votre livre. Alors là encore, ça avait fait l'objet d'un essai, La France Big Brother. Vous écrivez que les médias sont des moyens de conditionnement qui n'ont jamais été aussi puissants et concentrés toute l'histoire de la propagande, que l'État s'en sert pour pénétrer les couches profondes des consciences en y définissant le bien et le mal. Alors vous fustigez le service public, hein, que vous qualifiez de Pravda, mais vous n'épargnez pas non plus les médias privés. Vous soulignez qu'en fait ces médias privés sont contrôlés par une poignée de milliardaires proches du pouvoir, qui bénéficient de juteux avantages fiscaux et de nombreuses subventions. Alors finalement, en quoi les médias publics ou privés sont-ils devenus finalement des instruments au service du conditionnement, de la fabrique de l'opinion? Et quelles sont les solutions que vous préconisez justement pour changer cela? Il y a eu un truc, une information assez amusante dernièrement. Justin Trudeau, je ne sais pas si on dit Justin ou Justine, je pense que c'est Justin. Justin Trudeau a été accusé par des soi-disant complotistes. En fait, il avait fait un discours en faisant une blague, en disant, je ne comprends pas que les médias me critiquent encore, moi qui leur ai donné 600 millions. Et c'était une plaisanterie. Et donc certains l'ont pris pour argent comptant. Le second degré est une chose assez mal répartie dans ce monde. Et du coup, Trudeau a été attaqué là-dessus en disant il a acheté les médias à 600 millions d'euros et le service public français, les décodeurs, machin, ont fait des articles en expliquant non, c'était une plaisanterie, il n'a pas donné 600 millions d'euros aux médias. Et ça aurait été bien que les décodeurs et France Info, etc., se saisissent de cette occasion pour dire qu'en France, eh bien, Macron, concrètement, l'État donnait des milliards aux médias. Et ça, c'est pas une plaisanterie. Les aides à la presse, directes et indirectes, se montent, d'après la Cour des comptes, à 2 milliards d'euros par an. Ce sont des sommes qui sont vraiment complètement délirantes. La redevance au service public, ce ne sera plus la redevance, mais ce sera quand même toujours nos impôts, grâce au ciel. On paie 4 milliards à peu près par an pour le service public, ce qui lui donne une puissance de feu qui est énorme. Les médias comme Libération, ce sont des millions et des millions d'euros d'aides comme ça, directes. Et on parle des médias, mais on peut parler de la culture aussi, enfin, de tous les supports en fait du conditionnement des populations sont. En fait, l'État, par ces sommes colossales, permet de maintenir une représentation artificielle en fait de la démocratie, d'une offre médiatique variée. Sauf que non, le CSA décide par exemple d'autoriser les chaînes à émettre ou non. Il y a 207 chaînes, alors il y a CNews, mais il y a 207 autres chaînes qui n'ont pas le même point de vue. Donc en fait, le débat qui paraît pluriel de loin et ne l'est pas du tout. Et même en France, on peut se féliciter quand on va ailleurs, quand on va en Belgique par exemple, on comprend qu'il y a bien pire ailleurs encore, mais on est très très loin d'une forme de représentation à peu près normale de la vie publique, de l'actualité. Si cette représentation existait par exemple, je sais pas, les Français qui sont majoritairement hostiles à l'immigration seraient représentés par à peu près. En vrai, 60-70% des médias, mais au moins 50%. Et on en est tellement loin à des années-lumière que, eh bien, le principal problème démocratique, si on peut employer ce mot, est là. C'est que Big Brother, c'est lui qui va façonner les esprits, qui va imposer, comment dire, l'interprétation, l'analyse, la grille de lecture de l'actualité, puisqu'il ne se contente pas juste de donner le fait. Évidemment, déjà, il va le trier. Il va le hiérarchiser, comme on dit. Il va en mettre en avant certains, il va en passer sous silence d'autres, et il va donner une analyse, une grille de lecture à la population. Et c'est là que c'est la tragédie, puisqu'on se dit, mais c'est grossier, c'est pas possible que ça passe. Et si, ça passe évidemment, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de recul de la plupart de nos concitoyens par rapport à ce qu'il y a sur l'écran. C'est officiel, c'est un journaliste avec une belle cravate, et il fait venir un expert avec sa tablette, et les informations qui s'affichent sont évidemment réelles. Il n'y a à aucun moment on les remet en cause, on remet en cause leur interprétation, pourquoi elles sont là, la volonté du média, qui est derrière ce média. Quand vous allez sur YouTube, vous avez les médias russes, c'est marqué, chaîne dépendante des médias russes. Et malheureusement, on n'a pas à nous afficher à chaque fois quand on prend le journal, subventionné par l'État français ou complètement possédé par l'État français. Et c'est dommage, parce qu'on manque vraiment de recul sur ce système.
Et je dis qu'il est le plus efficace de toute l'histoire de la propagande parce qu'il a des moyens humains, financiers et techniques qui sont sans précédent. On sait maintenant, on sait très bien comment convaincre des populations, comment leur faire consommer des paquets de lessive. C'est exactement la même chose pour l'interprétation de l'actualité, pour salir la réputation de certaines personnalités. On sait comment suggérer tout un tas de choses et pour l'instant, ça marche très très efficacement. La preuve, les sondages, les élections qui arrivent, à mon avis, c'est une démonstration. C'est-à-dire qu'on a le bilan le plus désastreux de la Ve République. Et on est parti pour avoir la meilleure réélection possible de la dite Ve République. Donc c'est assez démonstratif. Vous avez été journaliste dans la presse quotidienne régionale en plus avant de devenir Oui. écrivain, donc vous connaissez l'envers du décor. Mais en fait, c'est partout pareil. C'est pas une machine avec Jacques Attali en haut qui dit il faut dire ça, il faut dire ça. C'est tout un système, en fait, où quand vous y entrez, vous vous rendez compte très vite qu'il faut vous adapter c'est votre groupe social, en fait. Vous devenez journaliste, donc vous faites partie de ce groupe social, de cette caste qui pense que, en fait, on est là, on est un peu supérieur moralement, et on est là pour éduquer, justement, amener à la lumière Robert et Josiane et Micheline en leur livrant le petit niveau au-dessus, c'est-à-dire le fait, vraiment, c'est le truc le plus méprisable possible. Le fil d'hiver, on n'en parle même pas. Mais nous, on va amener la valeur ajoutée, c'est-à-dire l'interprétation, et donc l'idéologie. Et c'est là qu'on va transformer le fait, quel qu'il soit. C'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de contrôler les faits. Le fait est toujours retourné à l'avantage de l'idéologie. Par exemple, si vous avez un type qui massacre, je ne sais pas, des dizaines de personnes au nom de l'islam, le lendemain, vous avez des manifestations contre l'islamophobie, parce que on peut s'adapter à partir de n'importe quoi, on peut le retourner à notre avantage. Et tous les journalistes ne sont pas du tout des fanatiques idéologues à la Plaine-Neige, par exemple. C'était gratuit, ça, mais bon, ça fait toujours plaisir. Ne sont pas des fanatiques, mais en fait, ils comprennent qu'ils sont obligés de jouer ce jeu. Il y a un aspect un peu caméléon. On fait tous. Il faut faire comme ça. On peut pas. De toute façon, celui qui va commencer à dire dans sa rédaction, moi, je pense qu'on devrait plus parler des faits divers, par exemple, l'immigration, l'insécurité. Non, voilà, toi, c'est fini. Enfin, dans quasiment tous les médias, en arriver là, c'est tout de suite. Oula. C'est mauvais. Toi, tu vas prendre des vacances. Et donc, celui qui veut faire carrière et progresser dans ce milieu, il est obligé d'être archi ultra conformiste. Et plus il a des responsabilités, plus il doit l'être, parce qu'il peut disparaître du jour au lendemain pour un mot malheureux, pour un dérapage. Donc, tout le monde s'allie, et c'est comme ça dans tous les pans de la société, hein. C'est pour ça que toujours les individus qu'on nous présente comme étant importants, comme étant en haut, qui ont réussi, à part des Bolloré un petit peu kamikazes, eh bien normalement tout le monde se conforme à la pensée dominante. Alors, vous, ce que vous préconisez, en fait, c'est une privatisation globale, que ce soit pour les médias, mais même le secteur de la culture. Je crois que vous parlez même de supprimer le ministère Ah de la bien culture. sûr. Beaucoup d'étrangers s'étonnent, hein. Un ministère de la culture, ça, pour le coup, ça rappelle les heures sombres. D'autres histoires que la nôtre, mais n'empêche, c'est quand même incroyable que la culture soit sous cloche, administrée, avec un choix de subventionner telles œuvres et surtout pas telles autres. Et ce qui explique, encore une fois, la production, le niveau de la production culturelle française de ces dernières années. C'est-à-dire qu'on va subventionner des choses pas pour être regardées, mais parce qu'elles portent un message. Et donc des fictions archi navrantes avec Omar Sy, enfin, ce genre de trucs. Plutôt que quelque chose qui pourrait plaire au grand nombre, qui pourrait représenter une réalité alternative qui est dissimulée. Quand certains essaient, on voit les problèmes qu'ils rencontrent. Par exemple, Jiménez avec Bac Nord, Bactor, oui. Lui a dû vraiment très platement s'excuser, regretter d'être assimilé, enfin surtout pas, et je pense que son prochain film sera un film avec Omar Sy pour vraiment se laver à l'acide de ce qu'il a pu commettre. Mais parce que c'est comme ça. Et si on veut exister dans ce milieu, encore pareil, si on veut avoir les producteurs, si on veut avoir les aides, le système est bien foutu parce qu'il vous oblige un petit peu à tapiner auprès de la région, à tapiner auprès du CNC qui va subventionner, qui va autoriser, parce qu'en France, c'est encore une spécificité incroyable, c'est que les chaînes doivent reverser une part de leurs bénéfices à la production française.
Donc en fait, on oblige les chaînes privées à payer une partie de leurs bénéfices pour la production d'œuvres françaises. Et donc évidemment, les critères de subvention, enfin, c'est même pas précisé, c'est même, il n'y a pas besoin de le dire, elles sont idéologiquement compatibles, c'est normal. Dans ce milieu-là, pas de vagues, la réputation est très importante et tous les acteurs, la plupart des acteurs se conforment à ça. C'est ce qu'on attend d'eux. Vous écrivez, on subventionne à flux tendu la déconstruction. Et vous parlez aussi d'ailleurs de l'art contemporain. Vous dites l'art contemporain étant le sommet de sa violence visuelle, une agression permanente des sens et du beau, préparant les esprits à toutes les aberrations idéologiques. Oui, j'aime bien l'art contemporain, j'ai toujours un petit mot gentil. Mais parce que c'est intéressant d'essayer de créer comme ça, à partir de rien, une sorte de contre-valeur artistique. C'est-à-dire que oui, le beau, l'esthétique, on veut en venir à bout parce que c'est pas égalitaire. Alors que voilà, si un type, je sais pas, il colle une banane à son mur, là, oh, génie, et ça va prendre une valeur incroyable. C'est intéressant justement dans le processus de montrer, d'essayer de briser les valeurs plébéiennes basiques de celui qui va se dire, oh, un tableau de Vinci, c'est joli. Ouais, mais non, mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'une banane au mur, quelque part, c'est un message qui est tellement plus fort et universel. Et c'est une façon de faire intéressante. Mais donc, pour revenir sur la question, évidemment, moi je suis pour la suppression du ministère de la Culture et de toutes les subventions possibles, parce que comme ça, eh bien, il y aura une offre qui répond à la demande. Alors encore une fois, la demande n'est pas forcément la meilleure du monde, mais bon, elle existe, donc c'est tout. S'il y en a certains qui s'y adaptent, tant mieux pour eux. Donc il y aura toujours des émissions navrantes et des films navrants, ça c'est pas un problème, mais il y aura aussi peut-être une offre alternative réelle, réellement plurielle. Et là, pour le coup, le débat ressemblera plus à un paysage démocratique normal. Alors, un des fils rouges de votre essai, c'est le consentement de la population à ce qui lui arrive, finalement, le consentement à être dépossédé de sa liberté en échange d'une prise en charge par l'État. Vous écrivez que les mafias étatiques qui parasitent la planète n'ont aucun besoin d'organisation secrète ou de destruction ou de plan de destruction du monde, seulement de concitoyens lâches. Et vous poursuivez en disant ce qui nous arrive, c'est du totalitarisme plébiscité. Le refus méticuleux de toute responsabilité et par conséquent de tout rôle dans notre propre histoire en devenir. Comment est-ce que vous expliquez finalement cette forme de renoncement et de lâcheté? Ouais, ça c'est vraiment la conclusion très importante du livre que j'avais déjà eu dans La France Big Brother à l'époque, c'est que derrière l'État, qui est l'offre, il y a cette demande vraiment énorme. Donc il y a le maître, oui, le maître est tout puissant, oui, mais parce que la population, pour le coup, la servitude volontaire, l'appel de cette servitude est énorme, et très très puissant. La population veut avoir, on le voit là, il se passe un truc. En Ukraine, l'invasion de l'Ukraine, immédiatement Macron a pris une popularité rarement atteinte jusqu'alors, parce qu'il y a ce réflexe de l'agneau. Il y a un loup qui se balade aux environs du pré et il va se regrouper derrière le berger. C'est un réflexe domestique très puissant. Et ce qui préoccupe cette population-là, c'est d'avoir un niveau de confort qui dure, un niveau de divertissement très important pour surtout pas penser à la situation dans laquelle on est. Donc, c'est-à-dire qu'il court dans sa roue, dans sa petite cage, comme le petit hamster, on lui donne à bouffer et tout va bien. Et pourvu que ça dure. Et que surtout, on n'ait pas à penser la situation, on n'ait pas à se débrouiller nous-mêmes, on n'ait pas à faire face à toutes les menaces qui nous dépassent. Voilà. Et donc, même les citoyens rebelles qui vont se dire, mais moi j'en ai marre de Macron, je veux changer sa tête, eh bien, eux, souvent, leur colère. Elle fait partie, c'est quand même une colère domestique, parce que c'est une colère du hamster qui se plaint que l'autre il a plus à manger que lui, ou qu'il voudrait je sais pas, que le divertissement soit différent. Mais c'est quand même toujours une volonté, voilà, un messie sorti des urnes, un nouveau président, un nouveau plus fort, plus dur, un général, je sais pas, un général boulanger, mais c'est toujours un autre maître, parce que la population refuse d'envisager sa liberté, sa prise en main individuelle. Et c'est ça qui donne à l'État, aux structures supranationales, des pouvoirs quasiment sans limite. Et on entend dans les sphères voilà, critiques, l'information alternative, on entend des critiques de ce
de ce supramonde de, je sais pas, de Davos et compagnie, mais la population générale n'y voit pas vraiment d'inconvénient et trouve ça plutôt bien. Et plus il y a d'État, plus il y a d'ordre, mieux c'est pour elle. Avec tout ce que ça implique, évidemment. Donc c'est une dérive domestique très inquiétante et sans retour brutal du réel, elle est amenée à durer. Et le problème, c'est que plus elle dure, plus l'État prend de l'importance et plus l'effondrement qui vient fera mal. Parce que du coup, les créatures comme ça, ultra dépendantes de tout, habituées au confort, si vous coupez tout d'un coup l'alimentation, que le maître disparaît, là, je ne vous dis pas les dégâts que ça peut faire. Donc c'est aussi pour alerter de ce danger que j'écris ces livres. D'ailleurs, au-delà des problèmes que vous mettez en exergue dans le livre, hein, dont on a parlé, qui minent la société, et des dérives aussi de l'État, hein, qui sont au cœur de votre essai, dans sa façon de gouverner les Français, finalement, ce qu'on en retient, c'est que le principal obstacle auquel chacun fait face, c'est la capacité à se gouverner soi-même, à être responsable envers lui-même, à se forger et s'accomplir en tant qu'être individuel pour devenir justement son propre maître. Vous appelez d'ailleurs vos lecteurs à une forme de sécession, une sécession psychique, culturelle et même économique. Vous les exhortez à briser la spirale domestique, la dépossession, la dépression et le nihilisme. Vous écrivez « Le seul accomplissement est individuel, la seule grandeur est la menée héroïque de la vie, le dépassement de soi, le risque de la liberté ». Et vous ajoutez aussi « Notre révolution n'aura lieu ni par le haut ni par le bas, mais à travers la résurrection d'une chevalerie de l'esprit ». Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire par la chevalerie de l'esprit et comment trouver les ressources, le courage d'emprunter ce chemin vers la vie héroïque, le dépassement de soi et la véritable liberté que vous décrivez? Ben, je pense que justement, dans une société comme ça, de suivisme absolu, d'irresponsabilité, de refus des réalités, eh bien, celui qui va adopter une posture radicalement opposée, donc critique, indépendante, libre, avec une pensée qu'il va construire lui-même, avec, alors ça va pas être facile, mais ne pas se plier à tous les modes, toutes les modes morales qui nous assaillent, qu'on nous martèle à longueur de journée, celui qui va refuser en quelque sorte le jeu, pour lui, pour les siens, celui qui va réussir à entretenir des relations avec un groupe de la même nature que lui, participerait de la résurrection, en quelque sorte, d'une forme de chevalerie, effectivement, parce qu'il serait un aristocrate totalement inégalitaire au milieu de ce chaos égal, d'une foule asservie qui pense la même chose, qui consomme la même chose et qui en redemande. Et pour le coup, c'est vrai que la liberté est très inconfortable, elle implique des risques, elle implique vraiment de mettre sa peau sur la table et même son âme. Et c'est un combat de tous les instants, mais je pense qu'il offre une fierté qui est beaucoup plus importante que celle de celui qui va être comblé, rassasié, satisfait, c'est-à-dire repu en quelque sorte, qui aura consommé tout ce qu'il peut, qui aura gagné beaucoup d'argent, qui aura bien joué son rôle dans ce grand cirque, qui aura toujours pensé exactement comme il faut. Là, celui qui va s'accomplir seul et contre tout, en quelque sorte, a, à mon avis, beaucoup plus de raisons de satisfaction profonde que bah, la plupart de nos contemporains. Et si on parvient à faire de ces chevaliers, en quelque sorte, des exemples, s'ils permettent de convertir le pays et ceux qui aspirent à autre chose à leur vision du monde, qui n'est pas une vision dogmatique, mais simplement justement une vision qui refuse l'enfermement idéologique, qui refuse d'étouffer dans les mangeoires du politiquement correct, là peut-être on peut initier quelque chose. Et on ne pourra pas de toute façon gagner ni par le haut, ni par le bas, ni par aucun moyen si on ne fait pas ce travail préparatoire sur les esprits. Tout ce qu'on peut avoir si les esprits restent domestiques, c'est éventuellement une révolte pour encore plus de domestication. Mais ça ne nous concerne pas. Nous, c'est justement, on veut briser complètement le système, on veut briser le maître, on veut briser l'esclave, et on veut arriver à autre chose. Alors évidemment, il y a une part de, pas d'utopie, mais on sait très bien que tout le monde ne fera pas ça, et beaucoup de gens se battront férocement contre ça. Ceux qui tiennent l'État, ceux qui ont sacrifié leur vie, leur carrière, et qui ont leur place, et qui ont leur pouvoir, ne voudront pas ça, et beaucoup de créatures domestiques contemporaines ne voudront pas ça non plus. Donc on est au milieu, on est face à cette masse, mais c'est un défi.
Et même si on ne réussit pas à renverser le pays, à renverser la vapeur, à sauver le monde, on se sauvera au moins nous, et ce sera déjà pas mal. Donc il faut commencer par soi. Et le mode d'organisation que vous semblez décrire, enfin appeler de vos voeux dans votre livre, en tout cas, moi, ça me fait penser à ça, ça me fait penser au mode d'organisation un petit peu pré-moderne, notamment au Moyen-Âge, avec des sociétés structurées en communautés, où l'appartenance au groupe s'appuie sur un ancrage et un enracinement local, où le contrôle social s'exerce essentiellement de manière informelle et repose sur la réputation, l'honneur, la confiance réciproque, qui amène finalement chaque individu à respecter les règles et à bien se comporter de peur d'être rejeté, d'être marginalisé. Est-ce que finalement vous êtes un peu dans cette optique de anti-moderne, ou est-ce que vous prenez aussi peut-être un retour à un ordre peut-être plus traditionnel? Quand on voit aujourd'hui la population d'une ville standard, on remarque bien que les individus échappent aux conséquences justement de la plupart de leurs actes, de leurs pensées, de leur attitude. On peut faire plus ou moins n'importe quoi. Normalement, on n'est pas notre crédit social ne doit pas en être entamé parce que nous sommes anonymes parmi d'autres. Donc ça, puis de toute façon, si on s'amuse à casser des boîtes aux lettres ou des vitrines, on dira qu'on est victime. Et qu'au contraire, limite, ça va nous donner même une forme de respectabilité sociale. Donc, dans une société à ce point inversée, effectivement, si on revenait à des groupes, une échelle de vie plus raisonnable, entourée d'individus qu'on connaît réellement, qui nous connaissent, donc ça implique un comportement correct, ça implique une réputation sociale, c'est comme ça que naîtront sûrement de nouvelles personnalités exemplaires. Là, les choses peuvent changer, mais c'est difficile de le faire dans une grande ville. Mais enfin, de toute façon, après, c'est du cloisonnement, c'est-à-dire qu'on a son groupe social et le reste du monde ne nous appartient pas. Mais oui, ça peut faire partie d'une relocalisation des priorités, des personnalités, au-delà des modes du moment, au-delà du là le C'est plus un crédit social maintenant, c'est les gens marchent à la terreur des forces de l'ordre, évidemment, pour certains d'entre eux, et à la terreur de la police des pensées. Si on doit simplement s'aligner sur les pensées à la mode, et c'est tout. Plus elles ont de la force, plus on s'y soumet, mais ça n'a pas de rapport en fait avec nos compétences, avec notre réalité, avec la réalité de notre, je sais pas, de notre probité. Aujourd'hui, il vaut mieux ne pas être probe du tout et être très moralement correct dans ce monde, on le voit bien. Il suffit de voir à quel point les ministres et personnalités machin sont condamnés ou ont des comportements complètement déviants, on va dire, poliment, et gardent tout leur crédit moral, puisque oui, mais c'est des gens qui pensent bien. Bon. Alors que c'est plutôt l'inverse. Normalement, nos preuves, on doit les faire par nos actes, par notre comportement. On n'a pas à faire étalage de sa morale, ça c'est, on sera jugé par nos pairs selon ce qu'on prouve. Donc ça fait partie des axes, des pistes vers lesquelles on doit s'orienter maintenant pour refaire un petit peu cette espèce de contre-société que j'appelle de mes voeux. Et alors peut-être une idée phare de votre livre à retenir pour nos auditeurs pour conclure. Bien que là, vous êtes peut-être dans l'enthousiasme électoral, vous êtes peut-être à fond dans la partie, à réactualiser tous les jours les pages d'actualité pour voir ce que machin a dit, ce que bidule a fait, a promis. Et je pense qu'il y aurait une déception majeure et énorme dans quelques semaines, et sinon ce sera dans 5 ans. Et de toute façon, donc ce jeu contribue vraiment à notre perte, donc prenez dès maintenant de la distance. Ça vous évitera en plus la dépression qui va avec. Et réfléchissez à des manières alternatives justement de conquérir l'opinion, de conquérir vos pairs, de les amener à l'esprit critique et à une pensée divergente. Parce que la politique, elle permet, par exemple Zemmour qui utilise des mots grand remplacement, etc., des heures de grande écoute, ça permet d'exposer ses idées évidemment. Mais pris dans le spectacle politique, ça n'a pas de valeur ajoutée pour celui qui va recevoir le message qu'il faut donner à nos concitoyens. C'est des raisons justement de se construire un pouvoir, un contre-pouvoir,
morale, mentale, face à ce système. Donc, il faut pratiquer ce qu'on peut appeler de la métapolitique ou de l'antipolitique, ou créer des manières culturelles de diffuser les pensées mauvaises et dangereuses pour l'État, pour Big Brother, pour amener la population à une vision critique. Elle est en cours, cette vision critique, je le vois. Avant, personne ne critiquait le service public, les subventions à la presse, et maintenant, ça commence à devenir très, très commun de le faire. Personne ne voyait l'insécurité. Pareil, maintenant, ça devient très difficile de nier l'insécurité galopante, qui a battu aussi tous les records sous le président Macron, notamment en matière de violence aux personnes. Donc, continuons comme ça, mais hors de ce jeu, ne jouons pas. Enfin, on peut le faire évidemment pour l'exposition que ça donne, mais arrêtons de tout miser dessus, parce que vraiment, on va au-devant de déceptions immenses, et le moral dans une guerre fait à peu près tout, comme disait Napoléon. Donc, si on continue comme ça à être le jeu de choses qui nous échappent complètement, les humeurs domestiques de la ménagère, la propagande massive qui est déversée sur toute l'actualité, sur les élections. On n'y arrivera jamais. Donc il faut trouver d'autres moyens de conquérir le terrain, de conquérir les esprits. Voilà, ce que je dis toujours, c'est qu'on ne peut pas reconquérir le pays si on ne commence pas par les esprits. Donc remettons les choses dans l'ordre et mettons-nous au travail surtout. Arrêtons de demander qu'est-ce que je peux faire, parce que les réponses, on peut les trouver si on les cherche. Celui qui pose la question attend toujours une réponse extérieure, et c'était même pas normal de poser cette question si. La situation étant ce qu'elle est, elle est grave, on doit trouver par nous-mêmes des moyens d'avancer. Voilà un petit peu le message final, combatif, je ne vais pas dire optimiste, mais combatif. Merci beaucoup, Laurent Burton. Avec plaisir.